Bonjour. Bon matin. Je prends le temps de me présenter rapidement ici, Adrien. Au cas où qu'on se soit manqué, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, bonne Saint-Valentin et une bonne Pâque. Aussi, les meilleures choses sont à partager. Donc, rapidement, on avertit nos voisins que ce matin, ça va être chaud. Aussi, on n'oublie pas de partager le lien et on me fait signe que la louange est prête. Donc, on prend le temps de prendre un petit café, un petit lait, une petite boisson de soya et c'est à vous. La parole de Dieu dit et nous rappelle qu'il est notre force lorsque nous sommes faibles. Rappelle-toi aujourd'hui que Jésus est ta force. Il est ta force. Il est notre force. Dans ma faiblesse, tu es ma force. À chaque instant, tu me fais grâce, me remplis de ton amour. Je sais que sans toi, je ne suis rien. Oh oui, sans toi, je ne peux rien. Tout ce que j'aspire, que tu sois la priorité. Sois la seule source, le guide de ma vie. La plus grande importance. S'accrocher à toi, ma porte reste solide, rocher.
dans sa présence, sa gloire est palpable. Rappelle-toi aujourd'hui que sa lumière est en toi. Amen. Sa lumière est en nous. Amen. Sa lumière est en moi. Et c'est cette lumière qui nous permet de persévérer et de continuer. Amen. Et comme dirait notre pasteur Ben, quand une parole est vraie, qu'est-ce qu'il dit? Come on. Come on, people. Come on. Come on, people. Hold up your life. Nous voici de retour. La louange fut exceptionnelle et on tient à prendre le temps de remercier l'équipe créative. Merci beaucoup. J'espère que vous avez senti la présence de Dieu autant que moi. J'espère aussi que le voisin l'a ressenti. Aussi, on va prendre le temps de faire une petite rectification sur l'annonce qui a été faite la semaine passée. La soirée guérison est bel et bien ce soir, dimanche le 7 mars, à 18h avec le pasteur Carbone. Aussi, on n'oublie pas, on partage également. Partagez le lien, partagez Facebook Live, partagez-le à votre voisin, on ne sait jamais, à quelqu'un, quelqu'une. Donc, nous voilà, on se prépare pour la prochaine partie qui est le message du pasteur Alberto Carbone. Mais avant de continuer quoi que ce soit, pour nous en tant qu'Église, c'est important de prier pour nos pasteurs et nos autorités gouvernementales. Donc, je vous invite à fermer vos yeux et se joindre à moi en prière. Père éternel, on remet entre tes mains nos pasteurs et les autorités gouvernementales. On prie, Seigneur, pour nos pasteurs. On bénit leur famille, on bénit leurs projets, on bénit leurs rêves. On bénit qu'est-ce qu'ils entreprennent là où est-ce qu'ils ont, là où est-ce qu'ils sont. On te remercie, Seigneur, pour le message qu'ils ont pour nous, que ça puisse vraiment nous bénir. Merci, Seigneur, que tu puisses leur donner au centuple chaque temps qu'ils prennent pour nous. Seigneur, on prie pour nos autorités gouvernementales, garde-les, protège-les, que tu puisses leur donner l'onction et la sagesse divine pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées à travers tout ce qui se passe dans ces temps tumultueux. Dans le nom de Jésus, amen. Avant d'aller à la soirée guérison qui est ce soir, encore une fois, dimanche 7 mars à 18h sur Facebook Live, on va passer avec le pasteur Alberto Carbone sur la série du renouvellement qui porte également le même nom que le thème de l'année 2021. Donc, c'est à vous, on fait signe que le pasteur est prêt. OK, super. 3, 2, 1, c'est à vous. Oh, bonjour tout le monde, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie Seigneur qu'il nous donne la vie. Je suis dans la reconnaissance de voir tout ce que Dieu fait. Au milieu de tout ce qui se passe, Dieu nous donne la paix et sa grâce. On est dans l'année du renouvellement. Ça veut dire que Dieu va te renouveler. Et renouveler veut dire remis à neuf. Tu vas être remis à neuf cette année. Tout ce qui a été détruit, Dieu va construire quelque chose de meilleur pour toi. Alors, on va commencer avec, j'appellerais ça le renouvellement par l'écoute. Et je veux te parler
d'avoir une nouvelle façon d'écouter la parole de Dieu. Si tu entends les prédications après prédication, mais tu n'es pas transformé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je prie aujourd'hui que la grâce de Dieu soit avec toi pendant que tu vas écouter. Et on est réunis autour de la parole de Dieu, mais pour recevoir. Donc aujourd'hui, on va recevoir de Dieu. Si vous voulez, juste textez vos amis, vos frères, vos sœurs, et dites-leur que c'est leur journée aujourd'hui de recevoir. C'est le temps aussi de communier ensemble, de se créer des mots, d'avoir du plaisir en même temps. Alors, vous savez, l'Église, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Église est persécutée ou que l'Église vit des choses. Dans le passé, par exemple, dans le livre des Actes, le 8e chapitre, la Bible parle que l'Église était dispersée, qu'il y a eu de la persécution. Mais la persécution a amené de la multiplication. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un local qu'on a cessé d'être l'Église. L'Église, c'est vous, c'est moi ensemble. C'est la communion qu'on a ensemble. On est empêché aujourd'hui d'être physiquement ensemble, mais on peut, par la grâce de Dieu, par ce moyen de Zoom, d'être ensemble. Par ce web. Alors, on est avec Dieu, son esprit est avec nous, on est ensemble. Et aussi, dans le monde présentement, par exemple, des fois on n'est pas au courant de ça, mais il y a une église, j'ai lu un article dernièrement qui parlait d'une église en Chine, où est-ce que l'église chinoise fait peur aux autorités chinoises parce qu'ils sont 97 millions sur une population de 1,4 million. Et le gouvernement les surveille et participe. Qui va participer à l'Assemblée? Il défend de mentionner le mot Bible et Dieu dans des funérailles chrétiens. Ils l'ont forcé d'enlever les images religieuses et les croix. Ils donnent des récompenses financières à ceux qui rapportent le voisin qui pratique une religion pas approuvée par le gouvernement. Et ils n'aiment pas les groupes connect, comme vous et moi, parce qu'on se tient ensemble, on se communique la grâce de Dieu. Et ils croient qu'ils pourraient atteindre le 300 millions en 2030, chrétiens en Chine. Et pourtant, toute cette persécution, tout le gouvernement fait tout pour les empêcher, pourtant, ils grandissent. Mais je vous avoue qu'à travers cette COVID, j'ai découvert des frères et des sœurs extraordinaires. Vous savez, le test ne change pas qui on est, ça révèle qui on est. Et vous avez été révélé. J'ai été édifié de voir votre courage, votre foi, votre unité, votre support. J'étais très encouragé de ça. Et ça a révélé qui vous êtes. Et nous savons que vous faites partie de la famille MCI qui se soutient dans le besoin. C'est nous, ça. Alors écrivez, textez aux autres, félicitations, parlez-vous, félicitez-vous et glorifiez le Seigneur. Éventuellement, oui, on va être réunis physiquement et ça va être glorieux. Et comme vous, j'ai hâte de vous prendre dans mes bras, de dire gloire à Dieu, puis on est content, vous savez, de retrouver une semblance de comme on l'a fait dans le passé. Et ça va venir. Découragez-vous pas, c'est en train de se faire graduellement. Mais on va toujours, même entrant, on va le faire avec sécurité et sagesse. Alors, il y a des choses qu'il faut comprendre que la COVID n'a pas surpris. Dieu n'est jamais surpris. Mais nous, à travers les épreuves, on a appris des choses. Et toujours écouter et suivre la vision. Toujours écouter et suivre la vision. Et aussi le thème de l'année. Parce que le thème de l'année nous synchronise avec l'esprit et le corps de Christ. Le thème de l'année nous synchronise avec l'esprit et le corps de Christ. Donc, en 2020, Dieu nous avait dit connexion divine. On a développé le web, on a développé la communauté. Et c'est pour ça qu'on peut se parler aujourd'hui de cette façon-là. Cette année, 2021, le renouvellement et le changement est nécessaire pour l'avancement. Votre changement est nécessaire pour l'avancement. Le renouvellement est important, sinon, on devient comme la femme de Lot, des statues de sel figées en place. Et on n'avance plus. Il n'y a plus de transformation. Il n'y a plus rien qui se passe. Je déclare aujourd'hui que tu vas être de ceux et celles qui vont être transformés
pendant que l'Église est transformée, qui vont s'adapter, qui vont grandir avec nous, et vous et moi, on va persévérer jusqu'à la fin. Et vous allez être renouvelés aujourd'hui. Voici comment Paul nous présente le renouvellement, le secret de son renouvellement. Regardez dans Philippiens 3:12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection et je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Et ensuite, il dit, « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. » C'est drôle. Et il dit, « Je cours vers le but pour apporter le prix de la vocation céleste. » Ne vous faites pas voler ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes dans une course pour une vocation céleste. Maintenant, Paul dit, il fait une chose, il mentionne deux. Il oublie ce qui est en arrière, parce que tu ne peux pas aller en avant et rester en arrière. Il faut que tu oublies en arrière pour aller en avant. Oui, il y a eu des bonnes et des mauvaises choses en arrière, mais maintenant, c'est fini. Tu peux pas te concentrer sur le passé puis aller de l'avant. Je parle à quelqu'un ce matin, j'espère que tu m'entends. Hein. Et tu peux pas avancer dans le futur et ne pas délaisser le passé. Tu es dans une course, et une course, veut dire, tu ne seras pas confortable. Une course, c'est l'empressement, c'est l'entraînement, c'est la consécration, c'est la discipline, c'est l'effort, l'implication. C'est pas le temps de se reposer et juste dire, « Oh Seigneur, tu sais, merci, je suis sauvé. » Non, 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 non. On est dans une course. Il y a du stress, il y a plein de choses, il y a une pression, là. On est dans un combat. On est dans une course et Dieu nous donne des illustrations pour nous faire comprendre. Ton renouvellement fait partie de la course. La course, c'est dérangeant. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, ça dérange. Rappelez-vous Israël dans le désert, qui avait les colonnes de feu le soir, colonne de nuages le jour, et les gens s'installaient, installaient le temps, tout allait bien. Je dis maintenant, non, non, la colonne bouge encore. Pas encore un changement dans l'Église. Oh non, non. Dieu bouge. Faut que tu bouges avec. Aïe, Seigneur, on comprend aujourd'hui. Quand Dieu bouge, ça dérange nos vies. Mais c'est correct. Parce que Dieu est en train de nous conduire de gloire en gloire. Tu ne peux pas aller dans l'autre gloire si tu ne bouges pas. Donc, de gloire en gloire. Allons plus loin. Restez avec moi là. Il y a toujours ceux qui résistent, qui critiquent, qui se rebellent, qui s'opposent. Que Dieu te garde d'être de ces personnes-là. Mais tu vas l'entendre autour de toi que plein. Il y a des choses, je ne le dirai pas, là, mais il y a toujours des gens comme ça. Mais tu n'es pas de ce genre de personnes. Et Dieu continue d'avancer et il veut te faire avancer. Donc, 10 effets du renouvellement que je te nomme très vite, très simple. Sache que le renouvellement est inconfortable. C'est un changement constant. Et le renouvellement, c'est un brisement en même temps. Parce que tu pars de la chair à l'esprit. Mais c'est aussi un progrès et une transformation. Donc, la première chose qu'on sait, c'est que c'est inconfortable. Quand tu rentres dans une routine, puis tu changes. Non, non, c'est pas ça. Dieu te transforme toujours. Deuxième chose, le renouvellement te transforme en agent de changement. C'est-à-dire que ce qu'il fait en toi va affecter tous ceux qui sont autour de toi. Positivement. La foi, la paix, la joie. Tu vas emmener un rayon de soleil là où tu es. Troisième chose, c'est le renouvellement. On dit, le renouvellement n'est pas un événement. C'est une manière de vivre. C'est pas juste une chose qui arrive une fois. C'est constant. Le renouvellement est un réalignement au changement. C'est-à-dire que quand Dieu change, on s'adapte. Le renouvellement te garde toujours dans la foi, flexible au Saint-Esprit. Le renouvellement demande que tu désires aller plus loin, sinon tu es de ceux qui préfèrent le confort. Du statu quo. Le renouvellement demande des sacrifices. Et c'est pour ça, des fois, qu'on ne veut pas, mais c'est le sacrifice de la chair pour aller dans l'esprit. Le renouvellement est nécessaire pour grandir. Le renouvellement est un défi pour la conquête. Tout renouvellement
a des ennemis de l'opposition. Alors, à chaque fois que Dieu veut te faire grandir, changer, aller de l'avant, tu vois même cette opposition, cette tentation, c'est négatif autour de toi. Il faut vraiment que tu aies un Jésus pour suivre. Donc, il faut être renouvelé pour avancer. On a choisi le titre, ton renouvellement spirituel, par l'écoute. Mais non, on va rentrer dans l'écoute pour avoir ce renouvellement. La première chose, c'est la différence qu'il y a. Il faut que tu fasses la différence qu'il y a entre la voix de Dieu et la voix de la philosophie, de la religion, du monde. Il faut que tu saches que cette parole que tu entends aujourd'hui n'est pas simplement une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Il faut que tu fasses la différence. Jean 1 dit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle, car elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. En d'autres mots, ce que tu entends, si tu ne fais pas la différence, c'est juste une autre personne qui parle, c'est des hommes. Mais tu ne peux pas recevoir de Dieu. La place de la parole de Dieu dans ta vie détermine ta place dans l'éternité. Ta place que la parole a dans ta vie détermine ta place dans l'éternité. Alors, pour ça que quand tu lis Jean au verset 10, ça dit, elle était dans le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Quelle gloire! Juste ça, je pourrais prêcher 10 heures pour ça. La Bible dit, qui sont nés, non selon le sang ni la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu a voulu que vous soyez et moi je sois né de nouveau. Vous savez, vous allez entendre des prédications. Vous n'êtes pas supposé d'aimer les prédications tout le temps, parce que oui, il y a des fois qu'elles nous édifient, elles nous encouragent, mais il y a des fois qu'elles nous reprennent. Et des fois qu'on n'aime pas entendre des choses parce qu'on reconnaît des choses. Donc, c'est normal. Ne vous fâchez pas contre le prédicateur. Ayez cet esprit de recevoir la parole de Dieu. Revenons à ça. Dans Hébreux 4, ça dit ce que la parole va faire. Ça dit, verset 11, « Efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant un exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante, plus que quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à pénétrer entre l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, c'est sûr qu'on est exposé. Regardez, la Bible dit, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu devant lui, découvert aux yeux, à ses yeux, de celui à qui nous devons rendre compte. » Hé, arrêtez, arrêtez. Quelquefois, je vais vous dire que je ne prêche pas pour vous faire plaisir. Mais ce que je dis, c'est parce que je vous aime et je sais que nous devons rendre compte à Dieu. Donc, la parole est là pour ça. 2 Timothée, la Bible nous parle, « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, pardon, favorable ou non, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, d'entendre des choses agréables. Ils se donnent même des docteurs, ils choisissent des gens qui vont lui dire ce qu'ils veulent entendre. Ils vont détourner l'oreille de la vérité, ils vont se retourner vers des fables. Mais c'est quoi ça? Ça dit, si tu as l'évangile que tu adhères, hein, te donne plus des choses du monde. Si l'Évangile te fait aimer le monde plus, tu veux encore, tu es comme le voisin, tu veux ci, tu veux ça, ça te rend dans la convoitise des choses du monde. Tu veux te servir de Dieu pour avoir ce que le monde a. Dans cet Évangile, il n'y a pas de croix. On ne parle jamais de la croix de Jésus.
on parle de recevoir, de prendre. Il faut recevoir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Regardez. L'Évangile qui vient de Dieu, c'est l'Évangile qui vous donne plus de Jésus, qui vous amène à une plus grande consécration, plus grande sanctification. Il y a une croix dedans. Rappelez-vous, quand Jésus parle de le suivre, il dit « il se chargera de sa croix ». Avez-vous une croix? L'Évangile du monde n'a pas d'unité, n'a pas de sacrifice, n'a pas d'obligation, n'a pas de soumission, pas d'obéissance, pas de correction, pas de réprimande. Juste plus de choses. Prends, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Finalement, tu suis la bénédiction, tu vas avoir la bénédiction, pas Dieu. Le vrai Évangile, tu veux Dieu, tu veux Jésus. Est-ce que vous avez fait la différence? Quel Évangile as-tu? Quand tu entends l'Évangile, est-ce que c'est pour avoir des choses du monde ou c'est pour avoir plus de Jésus? Pose-toi la question, parce que c'est dangereux, ça. Alors, Paul montre comment recevoir. Écoutez-moi bien. On y va, on continue. Bon, la table, pas de suite. Thessaloniciens 2:13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais aussi ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Remarquez, elle doit être la parole de Dieu pour agir en vous. Et deuxième chose, ça dit qui croyez. Allons plus loin. Reçu la parole de Dieu, alors en recevant, elle agit, elle produit, elle transforme, elle brise. Elle est la source divine, elle a l'autorité de Dieu, elle est Dieu, elle est vivante, efficace, tranchante, pénétrante. Elle juge le cœur. Elle est digne d'être reçue. Elle est digne de confiance. Elle donne la vie, elle donne la bénédiction, mais elle reprend, elle censure, elle exhorte. Donc, il faut la recevoir comme elle est, dignement. Ton obéissance déclare ton allégeance. La base de tes décisions révèle que l'Esprit est ton maître. Si à chaque fois que tu viens prendre une décision, tu penses à l'argent, l'argent est ton maître. Si c'est la crainte qui fait prendre une décision, la crainte est ton maître. Si c'est le pouvoir est ton maître. Si c'est une position, la position est ton maître. La base de ta décision doit être Jésus et sa volonté. Ouf. Ouais. La parole de Dieu ne sert à rien à certaines personnes. Il y a trois sortes de personnes à qui elle ne sert à rien. 1 Corinthiens 1:18, il parle. L'homme qui est perdu ne reçoit pas. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est fou. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. La deuxième sorte de personnes, c'est les hommes incrédules qui ne croient pas. Croient pas ne veut pas dire qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'ont pas entendu. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas en pratique. Parce que ce que tu crois, c'est seulement ce que tu mets en pratique. Pas simplement la théologie. Hébreux 4, 2 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole ne leur fut annoncée, qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendent. Oh, c'est pour ça que je parle de... Oh, Seigneur, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de parler de tout ça, mais... Tu peux écouter la parole de Dieu, mais tu ne sers à rien. Tu es toujours la même. Tu as toujours les mêmes problèmes. Tu es toujours pareil. Il faut qu'elle trouve la foi. Et finalement, l'homme animal, dans 1 Corinthiens 2:14, l'homme animal, c'est l'homme qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce qu'ils sont spirituellement jugés. C'est-à-dire qu'il est tellement dans la chair que ça n'a jamais un sens pour lui.
C'est trois sortes de personnes qui ne reçoivent jamais de Dieu. La parole de Dieu, ah, vous avez écouté ça. Il faut recevoir la parole de Dieu en couple. La parole vient toujours accompagnée. Regardez dans Jean 6, verset 63. La parole ne vient jamais seule. La Bible dit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. La parole est la force créatrice. Écoutez, quand Dieu a donné la parole n'était pas... Elle était pour créer des choses. Mais quand l'homme a tombé, quand l'homme a péché, la parole est devenue simplement une communication. Et il ne réalise pas que Dieu avait donné pour créer, pour appeler à l'existence. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit vient, il redonne une parole créatrice. Et il faut faire attention parce que toutes les paroles que vous entendez sont des semences. Que vous portez attention ou non aux paroles, si vous les avez entendues, elles sont semées dans votre esprit. Et il faut les déraciner par la parole de Dieu. Alors, comme vous l'avez reçu, la Bible dit, elle agit en vous qui l'avez reçu. Elle agit seulement dans le croyant. C'est pour ça que si tu écoutes, si tu ne sais pas comment écouter, tu vas simplement l'entendre. La Bible dit que dans 1 Corinthiens 2, 13, elle est poussée par l'Esprit, elle doit être reçue par l'Esprit. Elle est donnée par la foi, elle doit être reçue par la foi. La parole de Dieu cherche une habitation. Dans Jean 1, 14, la Bible dit « Jésus a habité parmi nous ». Après la Pentecôte, il dit « Elle sera en vous ». Vous retrouvez ça dans Jean 14, 17. « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le pouvoir de l'Esprit de Dieu. Alors, je vais vous parler de ce mariage de couple de Jean 3,16, des 3,16, 3,16. Regardez. Dans Jean 3,16, ça dit « Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et je pourrais en parler de ça encore et encore, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la connexion divine de la parole de l'Esprit. Regardez. Dans Colossiens 3,16, encore 3,16, « Que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. » Voyez? Mais dans 1 Corinthiens 3, 16, oui, c'est encore 3, 16, 3, 16, 3, 16, mais différents livres. « Ne savez-vous que vous êtes le temple de l'Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Donc, quand la parole est prise et est rencontrée par l'Esprit de Dieu qui habite en vous, les miracles qui arrivent, que Dieu vous donne des miracles abondamment, que vous soyez remplis de l'Esprit et de la parole. Et si vous avez et l'Esprit et la parole, vous avez le couple idéal qui produit des miracles dans votre vie. Reçois les miracles de Dieu. Sois restauré dans la puissance de Dieu. Sois restauré dans la prière, dans le zèle, dans la joie. Wouh! Je ressens l'Esprit de Dieu ici. Pendant que je vous prêche, l'Esprit anime la parole. Et je suis tellement, tellement content. Ce qui confond le monde, parce que, écoute bien ce que je vais te dire. On va terminer bientôt, mais tu dois écouter ça. Qu'est-ce qui confond le monde? Tu ne possèdes pas ce que tu mérites. Ah, tout le monde dit, ah, il ne mérite pas ça. Ah, lui, il mérite ça, lui, il ne mérite pas ça. Ça ne marche pas. Ça n'arrive pas de même. Pourquoi? Parce que tu possèdes seulement ce que tu pratiques. Tu ne possèdes même pas ce que tu crois. Rappelez-vous, même les démons croient en Dieu. Parce que ça peut devenir juste une théologie. Tu possèdes ce que tu reçois de Dieu. Je me souviens un jour, pour donner un exemple très vite, je parlais avec le Seigneur, et
Et je parlais, j'avais besoin de vigueur, j'avais besoin de force. Et dans la conversation, on a parlé d'Isaïe, ou d'Isaïe 40, qui renouvelle nos forces. Et Seigneur m'a dit, est-ce que tu crois dans cette écriture que je renouvelle les forces comme l'aigle? Oui, Seigneur, je crois. Mais il dit, pourquoi tu ne l'as pas? Ben, j'étais comme, je ne savais plus quoi dire. Le Seigneur a dit, tu ne dois pas juste croire, tu dois le recevoir. Et là, j'ai compris. Et j'ai commencé à recevoir la parole. Et j'ai fait une place. Et j'ai ressenti un renouvellement à l'intérieur de moi. Et je prie aujourd'hui que Dieu fasse la même chose avec toi, qu'il te donne le renouvellement. Oh, je prie qu'aujourd'hui, il y a un réveil qui se fait en toi, un amour de la parole, un amour de l'esprit qui te ramène à écouter Dieu et que tu apprécies sa présence. Alléluia. Aujourd'hui, je brise tout ce qui te bloque de recevoir de Dieu pour que tu puisses recevoir sa grâce. C'est pourquoi Dieu, Paul révèle la parole à travers la chair. Il dit, c'est pas parce que ça passe par un homme que ça vient d'un homme. La parole de Dieu passe par un homme, mais elle vient de Dieu. Si tu ne sais pas écouter, tu ne peux pas recevoir. Si tout ce que tu vois, c'est un prédicateur et une étude, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Si tu comprends que le prédicateur loin est un transmetteur de la parole, qu'il a reçu de Dieu, alors tu peux recevoir de Dieu. Le temps est passé, le temps est passé. Je veux prier pour toi qui est là, qui a besoin de paix, de joie, d'amour. Dieu t'aime. Et je fais une prière pour toi. T'as simplement, pour avoir Jésus dans ta vie, avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, t'as simplement besoin de recevoir par la foi et demander au Seigneur d'entrer dans ton cœur. Fais simplement cette prière et dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi, délivre-moi, sois le Seigneur de ma vie. Si tu fais cette prière sincèrement, ne t'inquiète pas, Dieu entend les prières et les requêtes. Rends-toi sur mcigc.ca, appuie sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus », remplis le formulaire et quelqu'un va venir à ton aide, on va t'aider à grandir dans Jésus. Pour les autres, j'espère que vous avez reçu aujourd'hui et oh, que Dieu a fait quelque chose que vous avez reçu de Dieu. Son esprit, sa vigueur, le désir d'être à l'image de Jésus. C'est le temps. Laissez-moi vous dire ceci. En finissant. C'est dangereux d'être exposé à la parole et de ne pas la recevoir. Parce que le monde qui n'ont jamais entendu peuvent recevoir. Mais si tu l'entends et tu ne changes pas, c'est dangereux. Alors aujourd'hui, entends ce que je dis. Porte attention. Si vous voulez, la semaine prochaine, je continue avec vous. En attendant, regardez à Jésus, aimez-le, que Dieu vous bénisse. Oh wow! Nous voilà de retour suite au message. On tient à remercier le pasteur pour ce merveilleux message. Également, je vous invite à me rejoindre dans les commentaires et dire qu'est-ce qui vous a touché. Mention spéciale également pour ceux qui ont dit oui à Jésus. En ce moment, il y a une célébration au ciel et une célébration dans les commentaires. Peut-être même que le voisin aussi célèbre. Donc, merci encore de nous avoir rejoints durant ce moment. On est rendu à l'offrande, mon moment préféré, également après le message. Pour l'offrande, je vous invite à me rejoindre, à prendre votre Bible électronique en papier, sur votre iPad, sur votre tablette. Le verset d'aujourd'hui, 2 Corinthiens 9, 6. Verset super simple. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Maintenant, on va mettre ça de côté un peu et on va se concentrer sur le savoir quelque chose et réaliser quelque chose. Donc, on connaît beaucoup de choses, mais combien de choses est-ce qu'on réalise? C'est-à-dire que le réaliser est un verbe d'action. Réaliser, c'est mettre en action notre savoir. On connaît ce verset-là, c'est simple. Récolte. Semences. Maintenant, c'est à vous dans votre vie, quel genre de choses est-ce que vous aimeriez récolter dans votre vie? Et ça va se traduire par votre offrande. Donc, rapidement, je vous invite à me rejoindre
On va fermer nos yeux rapidement. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de se réunir pour l'offrande. Seigneur, bénis chacune des donations, bénis chacune des contributions. Bénis Seigneur, chacun des rêves, tout ce qu'on te met entre les mains. Et merci Seigneur parce que ce que tu prends, ce qu'on te le donne entre tes mains, Seigneur, tu le multiplies, éternel, et on veut te donner une gloire, louange et honneur pour ce que tu vas accomplir à travers ce don, ce pas de foi qu'on fait envers toi et qu'on te remercie d'avance pour ce que tu vas accomplir dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour tous ceux qui ont contribué. Également, si jamais vous vous demandez comment est-ce que je peux contribuer à travers un don, il y a plusieurs façons. Il y a via l'application mobile et sur le site web mcigc.ca. Il y a également une vidéo explicative pour vous guider dans ce processus-là. On vous remercie pour votre générosité sacrificielle, pour votre contribution. On vous remercie d'avoir été avec nous, des nôtres, aujourd'hui. Merci encore dans les commentaires. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir prévenu vos voisins. On vous souhaite de passer une excellente semaine. N'oubliez pas de nous rejoindre cette semaine sur les différentes plateformes. Aussi, il y a tellement de choses qui se passent durant la semaine que la chose la plus simple, c'est d'activer vos notifications sur l'application, de regarder vos courriels. On a une équipe extraordinaire qui prépare beaucoup de contenu, beaucoup de choses pour vous. Donc, n'oubliez pas de partager, d'aimer et de mentionner en commentaire votre participation. Encore une fois, merci beaucoup et on se rejoint ce soir pour la soirée guérison sur Facebook Live à 18h avec le pasteur Alberto Carbone. Merci et bonne semaine.